Nous ne sommes qu'à la mi-décembre, mais c'est déjà la Noël pour les enfants du groupe scolaire municipalité de Toumoudi. Ils ont reçu ce 13 décembre la visite de celle qu'ils appellent affectueusement Maman Dominique Ouattara, présente à Toumoudi pour accompagner le président de la République dans sa visite d'État dans la région du Bélier. Une occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire d'inaugurer la nouvelle école maternelle, la cantine entièrement rénovée du groupe scolaire municipalité et d'offrir du matériel didactique et des jouets aux élèves. Des élèves qui n'ont pu contenir leur grande émotion. Très chère maman, mille fois merci pour tout ce que vous nous offrez ce jour et pour ce que vous faites pour les enfants. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Et bien, je vais lui dire que je t'aime. En plus des remerciements, les tout-petits n'ont pas manqué d'exprimer à Maman Dominique Ouattara certaines doléances qui ont sans surprise trouvé écho favorable. Ce matin, je suis très heureuse d'inaugurer une cantine. C'est très important, cette cantine qui va vous être tellement utile pour le groupement scolaire. Et également, cette école maternelle. Tout à l'heure, j'ai entendu votre représentante qui a demandé une bibliothèque. Je pense qu'elle parlait de votre part. Eh bien, je peux vous dire que nous allons vous offrir cette bibliothèque. Au sujet de la clôture que vous avez également demandé, nous allons faire un devis et je vous promets de faire tout pour essayer de vous faire cette clôture au cours de l'année prochaine. Des dons de la première dame de Côte d'Ivoire qui sont désormais une coutume. Avant l'étape de Toumoudi, Dominique Ouattara a offert aux femmes du village d'Abli du matériel d'entretien des champs et des kits pour les nouvelles accouchées.